Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc aujourd'hui, la présentation de notre gamme Reisser. Donc Reisser, fabricant allemand de visserie et de fixation. Alors aujourd'hui, produit phare sur ce salon, notre vis RP12K, spécialement prévue pour toiture et bardage. Une vis bimétal pour faire de la fixation de toiture et de bardage, donc soit par le haut, soit par le bas, directement sur un IPN qui peut aller jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Elle est fournie avec un joint d'étanchéité, donc vous êtes sur votre bâti, sur votre chantier, vous attaquez directement votre bardage, donc en vitesse rapide, vous amorcez en tenant. Une fois que vous avez amorcé, continuez en vitesse rapide. La tête en acier trempé fait son job. On arrive sur le filet. Donc là, on est encore sur une petite partie de ce qu'on appelle le bimétal avant d'attaquer l'inox 1-4. Et là, elle va assurer, si vous allez voir, l'étanchéité directe sur le bardage. Alors, vous pouvez voir à quoi ça ressemble en dessous. Donc là, on voit très bien les différentes finitions. La finition sur le dessus, donc la partie joint EPDM qui est sur la vis et qui est fournie avec, pareil. Vous verrez qu'en temps d'exécution, ça va très très vite. Pareil, en montage, que vous soyez comme moi sur un établi, ce qui est rarement le cas parce que vous êtes plutôt à 6-8 mètres de haut. Par contre, on a une certaine stabilité. Vitesse rapide. Elle fait son job. Et quand on y va d'une fois, donc dans notre gamme, on a la petite sœur de cette vis qui permet, elle ne va pas percer l'IPN qui est derrière. Par contre, elle va fermer, elle va assurer l'étanchéité pour que vous puissiez réparer votre bac acier. Deuxième produit qui lui va être une vis de notre gamme Cabri. La gamme Cabri est une vis conçue non pas pour la toiture et le bardage, mais pour le deck. Donc cette vis, qu'est-ce qu'elle va faire? Pareil. Elle a une pointe en acier trempé sur l'avant et une finition sur l'arrière qui est en inox A4. Ça fait un seul produit puisque son revêtement est réalisé donc en Allemagne à Ingelfingen. Pareil, vous ferez des finitions et vous fixerez. Là, on est sur une partie alu, certes. Vous fixerez vos parties plaquelage de terrasse sur une partie métallique. Donc, avec notre vis Cabri, une bimétal. La petite sœur de cette bimétal, donc pour pouvoir faire une fixation d'un plaquelage terrasse, donc finition terrasse sur une sous-construction aluminium, donc la même vis que la Cabri que vous avez pu voir tout à l'heure, en inox A2, qui elle ne sera pas en bimétal, pareil, qui assurera direct, sans prépersage, la fixation de vos lames. La petite technique qu'il faut bien comprendre sur ces vis-là, pourquoi elles puissent assurer un vissage direct sans prépersage, c'est qu'elle a deux petites ailettes. Ces deux petites ailettes, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles arrivent sur la partie métallique, donc la partie métallique qui va être plus dure, elles vont casser. Les cinq filets qui restent et qui suivent vont assurer un filetage dans la partie métallique et l'inox derrière assurera le plaquage de votre lame sur votre sous-construction, soit avec cette vis, en acier, soit avec cette deuxième vis qui est sa petite sœur sur une sous-construction en aluminium. Le petit plus de nos vis, donc nos vis ont un embout, donc vous pouvez travailler avec du torx, mais ont un embout, ce qu'on appelle sit. C'est un torx qui est légèrement conique. Alors qu'est-ce que ça donne? Il existe des embouts chez nos confrères de chez Vera, donc avec un simple embout HF. C'est une vis qui est en inox, donc normalement pas magnétique. On va vous montrer que même avec le bon embout, vous allez pouvoir aller dans tous les sens et elle tient parfaitement en place. Qu'est-ce que nous faisons également chez Reisser? Chez Reisser, nous sommes, je dirais, spécialistes de toutes les vis à fil et bois. Donc là, on est sur des gammes de vis à bois, vis à charpente, donc toute une gamme complète, donc on est juste sur le stand à côté de Vera. Donc pour préparer, dans ce cas-là, toujours faire
qu'on préconise un pré-perçage. Donc là, pareil, fixation deck. Une vis sur du bois dur, un double filet. Pour avoir une finition plus que nickel, donc toujours un pré-perçage. Après avoir fait le pré-perçage, ce qu'on préconise aux gens, c'est de ne pas s'arrêter, de visser la vis d'un seul trait. Alors, pour le montrer, parce qu'on a souvent la question depuis ce matin, est-ce qu'on peut fixer une vis sans pré-perçage? C'est possible, par contre, on évite de le faire. Je vais quand même vous montrer que nos vis peuvent faire un montage direct sans avoir pré-percé auparavant la lame. Par contre, vous constaterez que en ayant fait un fraisage juste avant, la finition sera beaucoup plus nette et beaucoup plus propre que si on y va directement. Là, on est sur la partie deck. Sur la partie façade, qu'est-ce qu'on va avoir également? Une vis super fine pour faire tout ce qui est bardage. Donc, une très petite tête qu'on a un petit peu profilée pour justement qu'elle soit le plus invisible possible et qu'on réussisse à avoir une pénétration optimum dans toute la partie bois. Donc une vis avec une tête très très fine, donc un diamètre de 3,2 sur différentes longueurs qui existent de 40 jusqu'à 60.